d'Afrique, peuple du Niger, mes chers frères, ceux du Tago Gourma, chers camarades, non, Yoromani, le président Abdourahmane Tchali vient de dénoncer les accords militaires entre les États-Unis d'Amérique et le Niger. Le Niger du Tago Gourma. Par conséquent, les Wéré-Wéré américains qui traînent au Niger, qui traînent dans le désert du Niger, là, sont obligés de prendre leur, ramasser leur clic et clash et de dégager du territoire nigérien. Sans délai. Sans délai. J'ai un camarade d'Afrique. Ce 16 mars 2024 rentre dans l'histoire. Ouais. Ce 16 mars rentre dans l'histoire. Dénoncé pour la France, dénoncé pour l'Amérique, et puis il n'y a rien qui a se passé. Mais le président Tchani, de toute façon, il est fâché contre les Américains. Frère, mais s'il a vu Joe Biden aujourd'hui, il va le chiffler. Hein. Il va marataper Joe Biden. Non, mais il est fâché, il ne s'amuse pas. Hein. Parce que les Américains, papy Joe et ces gars-là sont insolents. Hein. Ils sont impolis. Viens là, il est marataper à Niamey là-bas. Cher camarade d'Afrique, écoutez cette vidéo. Après, il y a des quantiques. On fait quoi des quantiques ça là? On est parti. Communiqué. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants sous l'autorité de son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zène, Premier ministre, ont eu une série de rencontres de travail avec une délégation américaine composée de la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, chef de mission Madame Molifi, du docteur Céleste Wallander, sous-secrétaire à la Défense pour les affaires de sécurité internationale, du général Michael Langlais, commandant en chef de l'AFRICOM, et de Madame Kathleen Fisbon, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a reçu la délégation américaine. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, les orientations et perspectives politiques du Niger dans leurs aspects relatifs au choix des partenaires sur le plan diplomatique, militaire et stratégique, étant entendu que dans l'approche américaine, toutes ces trois questions sont profondément liées. Sur la transition en cours et le retour dans le meilleur délai à un ordre constitutionnel et démocratique, le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser, dans les meilleurs délais, le retour à une vie constitutionnelle normale. Il s'agit d'un engagement solennel, en toute responsabilité, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la Nation du 19 août 2023. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. S'agissant des cas précis de la Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran, deux pays avec lesquels
le Niger entretient des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et qui focalise particulièrement l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, n'est pas sans rappeler l'exemple de la seconde guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, conformément aux accords de coopération militaire signés avec les gouvernements antérieurs pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Enfin, le Niger réaffirme son engagement solennel à coopérer dans la transparence et le respect de sa souveraineté avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice, conformément aux règles du droit international. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 70.08 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par note verbale. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger
prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Camarade, moi je suis content, hein, mais je sais pas, je suis écœuré, quoi. Non, mais je suis. Bazoum, c'est un babier, c'est un vieux maudit. Il faut prendre Bazoum pour aller le mettre dans. Il faut aller le mettre dans le trou de rat pour le mettre dedans là-bas. Puis la femme là-bas, il n'a qu'à rester dans le trou de rat. Comment on peut signer des accords comme ça, les gens? Oh, vraiment, je sais même pas, putain. Je vous dis, il faut chercher les nationaux pour diriger vos pays. Bazoum, là, c'est un Malien. Non, c'est un Libyen. Et il n'est pas Nigérien. Il n'aime pas le Niger. Il s'en fout du Niger. Il est venu pour faire business. Il est venu pour faire business. Mais regarde comment il a rendu le pays. Et c'est pourquoi les Américains se permettent de se comporter comme ça avec les gens. Hein? Ils viennent avec une délégation, ils informent. On arrive. Bon, voici le nom, voici la délégation qui arrive. Secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État à l'Afrique, directeur d'Africom, et puis ambassade des États-Unis à Niamey. Et puis bon, voilà, on arrive. Bon, tu viens dire quoi? Tu viens faire quoi? On ne dit pas. Et ils arrivent! Et il parle, il soulève des sujets sur la transition du Niger. Et il demande au Niger d'écourter sa transition. Le Niger n'a qu'à faire vite. Le Niger va mettre un civil au pouvoir. C'est Papi Joe qui fait ça. C'est Papi Joe qui demande aux gens de mettre un civil au pouvoir. Où est ton affaire? C'est pas ton pays. Ton grand-père est parmi ceux qui ont décimé le peuple amérindien pour prendre leur terre. Bande de génocidaires. Vous n'êtes pas des Africains? Vous de boucher quoi dedans? Je comprends pas cette affaire, cher camarade. Hein? Transition là, le Tchani qui est là, il a au moins 10 ans, non, pas quelqu'un a 10 ans, il a au moins 12 ans, au moins 2 mandats. Il finit sa transition et il fait 2 mandats. C'est ça, Tchani que vous voyez là. Vous allez souffrir pendant au moins 12 ans à élu. Tchani que vous voyez comme ça. Au moins 12 ans que Dieu lui donne longue vie. Il va au moins 12 ans à la tête du Niger. Celui qui s'oppose à ça, on va prendre les armes. Celui qui, on est prêt à tout. C'est ce qu'on vous dit. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est que le jour où quelqu'un, une puissance extérieure, va se permettre d'aller agresser un des 3 pays là, c'est que les 3 pays là, ils vont refuser le monde. Comment qu'on sera tous prêts à se mobiliser dans leur armée? Petit n'a qu'à fabriquer armes seulement. Poutine n'a qu'à fabriquer armes seulement. On va vous attendre. On va vous attendre. Il y a moins de trucs comme ça. C'est parce qu'on ne les a pas sifflés. La mine qui les a reçus. Mais le premier, il ne les a pas sifflés là encore. Impoli là. Il n'a pas sifflé ça. Ça connaît ça, hein, parle. Et tu vas parler de représailles. Hein? Elle menace le Niger de représailles si le Niger signe les accords secrets avec la Russie. Pouah, t'es pas possible. C'est pas possible que le Niger fournit de l'uranium à l'Iran.
le Niger fournit de l'uranium à l'Iran. Ils ne sont pas d'accord. Le Niger signe des accords avec la Russie. Ils ne sont pas d'accord. Mais le mois dernier, je me rappelle comme hier, il y a eu un échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran, les États-Unis avaient mis l'embargo sur une forte somme qui appartenait à l'Iran. Ils ont non seulement libéré les prisonniers de l'Iran, et aussi ils ont débloqué l'argent. Normalement, c'est prisonnier contre prisonnier, mais ils ont débloqué l'argent. Et c'est nous, on vous a demandé. Et c'est nous, on vous a parlé d'accord secret. Troisièmement, la femme basketteuse qui a été arrêtée en Russie et qui a été libérée, qui a été échangée là. Nous, on ne vous a pas dit tout ce qui était dans l'accord. Elle était agent de la CIA, elle travaille pour la CIA américaine. Non, c'est tout ça. Mais est-ce que nous, on a parlé dedans? Est-ce que le Niger a parlé dedans? Le Niger n'a pas parlé dedans. Vous faites pas politique devant là-bas. Est-ce que le Niger parle dedans? Le Niger ne parle pas dedans. Et vous vous ramassez pour venir parler parce que le Niger signe des accords. Des accords de partenariat avec la Russie. Et vous vous fâchez. Vous traitez ça d'accord secret. C'est pas secret. C'est pas secret. C'est clair. C'est accord direct, direct. Les Américains, mais pourquoi vous ne partez pas faire par là-bas à l'Ukraine? Parce que l'Ukraine continue d'importer du gaz en Russie. L'Ukraine, malgré son en guerre, l'Ukraine continue d'acheter gaz à la Russie. Oui, l'Ukraine continue d'acheter le gaz avec la Russie. Ah, le du 16 là, l'Ukraine continue d'acheter avec la Russie. Vous-même, vous achetez pétrole à la Russie. Ils achètent pétrole à la Russie et puis ils revendent à la France, aux Européens. Mais comme eux n'existent pas mentalement, eux non. Mais je ne sais pas comment cela fait pour nous gouverner. Les Américains vendent le gaz, le pétrole de schiste. Non, le gaz de schiste, je pense que c'est le gaz. Ils vendent le gaz de schiste, un gaz qui pollue l'environnement et qui est très cher. Alors qu'ils continuent d'acheter pétrole à la Russie, hein. Les Américains, ouais, ils continuent d'acheter pétrole à la Russie. Malgré pas les sanctions, là. Ils continuent d'acheter pétrole à la Russie. Et c'est nous, on vous a demandé. Et c'est nous, on vous a demandé. Et tu vas menacer quelqu'un. Ce que tu veux faire, il faut faire. Ce que tu veux faire, il faut faire. Ce que vous voulez faire, là, hein? On veut voir ça. Nous, on veut voir ça. C'est que vous voulez faire, nous, on voit ça. Nous, on voit ça. Il y a un petit n'a qu'à fabriquer armes seulement, n'a qu'à nous envoyer. Nous, on veut voir ce que vous voulez faire. Nous, on voit ça. Nous, on voit clair dedans. Comment cela? Nous, on voit clair dedans. Prochainement, la personne qui vient de menacer le président Tchad, il faut le gifler. Il faut le gifler d'abord. Vous lui dites qu'il n'a qu'à partir de ça d'abord. C'est quoi tout ça? Et puis ce qui est bizarre, Bazoum va signer un accord avec les Américains dans le cadre du terrorisme. Dans cet accord-là, si le Niger, l'armée nigérienne est en train de combattre le terrorisme et que l'armée nigérienne appelle les Américains, ils ne sont pas obligés de venir les aider. Ils font quoi? Moi, je suis découragé. Je suis heureux. Je suis content, mais en même temps, je suis écœuré. Je suis écœuré. Comment? Eh, petite fille, vous l'avez comme ça, vous allez vous en aller pour parler de conneries. T'as là. Ça là, si c'est Kadhafi, il a longtemps à chiffler ça. Il a chiffré ça, ou il a arrêté de mettre en prison. Tu as venu menacer quelqu'un?
Non, mais c'est trop ça. C'est trop. Ils se prennent pour qui même, ces Américains là? Ils se prennent pour qui? Je ne sais pas. Vous prenez pour qui même, vous là, vous les Américains? Vous prenez pour qui? Répondez-moi ici. Vous prenez pour qui? Chers camarades d'Afrique, voilà un petit guébé. Mais les Vietnamiens vous ont frappé, poté le cul, vous ont frappé. Et quand toutes vos économies étaient parties en vrille, c'est ce qui a fait qu'ils étaient oubliés. Nixon était oublié de décrocher le pétrole, le comment on appelle ça, le dollar sur l'or. Pour raccrocher ça sur le pétrole, c'est déjà un pétrole-dollar. Pétrole-dollar, on ne sait pas d'où ça vient. Où ça, qu'est-ce qu'ils ils étaient voleurs, bande de voleurs. Aïdid, en Somalie, à Mogadiscio, vous a frappé. Aïdid les a frappés, et tous. Non, on ne va pas avoir peur de vous. Au nom de Dieu, on n'a pas peur de vous. Si nous sommes en prenant à manier DCA, nous sommes en prenant à manier DCA. Si nous sommes en prenant à rouler char, en prenant à rouler char. Mais on ne va pas se laisser faire. C'est quand c'est passé, c'est passé. On ne va pas se laisser faire au nom de Dieu. Au nom de Dieu, on ne va pas se laisser faire. Ça dit quoi tout ça? Chers camarades d'Afrique, vive le Seigneur, vive. Oh, vive le Litako Gourmand. Vive l'AES, vive l'AES. Vive le Burkina, vive le Mali, vive le Niger. Vive IP, vive Assimi, vive Tchadi. Ce que vous avez fait ça. Non, on n'a pas peur de vous, au nom de Dieu. On n'a pas peur. Donc, partagez cette vidéo. Bago Brian Bigona 2025, Inch'Allah.